Justement, l'Europe, récemment, vous avez successivement reçu l'ambassadeur de France en Tunisie avec toute une délégation, et puis un peu plus tard, une autre délégation qui, elle, était allemande, pour parler d'énergie renouvelable. Alors, qui va remporter le gâteau tunisien de l'énergie renouvelable? Tout d'abord, ce n'est pas un seul morceau. D'accord. Donc, il y en aura pour tout le monde. Ok. Et comme vous le savez, dans ce genre de choses, bon, on a des très bons rapports aussi avec les Allemands, qui ont eu vraiment une position très honorable avant et surtout après la Révolution, qui donne beaucoup de soutien, au même titre en fait, hein, que nos amis français. Donc, enfin, il y en aura Il n'y pour a pas tout de le monde. Il compétition. n'y a pas de compétition, D'accord. il y a beaucoup à faire. Et avec les deux, on avance à pas sûr. Et même, il y en a pour d'autres aussi. Hein. Donc, il n'y aura pas d'exclusivité. C'est pas demandé, c'est pas souhaité. Et plutôt un rapport de collaboration ouvert avec les différentes compétences